Et c'est parti ici au Palais des Sports d'Orléans, 23e journée de Ligue Kimoli Star League, match très très important pour le maintien, encore plus pour Saran qui flirte avec la zone rouge. Et Cesson peut, en cas de succès, faire un grand pas vers le maintien ici au Palais des Sports. Damiani qui va le trouver cette fois. Magnifique cette passe et la lucarne, ouais, avec déjà un premier but inscrit par Mohamed Mamdou. Et Damiani, superbe, ça c'est bien fait. Très très belle passe à l'aile. Et ça fait 2-0 déjà pour Saran. Molinier, voilà, enfin l'ouverture du score cessonnaise. Pour l'instant, la défense de Saran, c'est qui se présente face à William Accambray. C'est du 100%. Et ballon récupéré justement par cette défense, la magnifique relance. Et en contre-attaque, ça fait 4-1 pour Saran. Belle passe, ça c'est une très très belle passe. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à faire le boulot avec Yuen Cardinal sur son aile droite. Ouais, parce que mine de rien, ils font légèrement leur retard. Matteo Brive qui prend ce shoot. Et ouais, ça fonctionne pour un cinquième but cessonnais. 3-0, c'est... Allez, faut trouver l'intervalle là. Et revient tout doucement Tom Robbins. Voilà, c'est trouvé. C'est bien joué, voilà, ça y est, ça va faire du bien. La lucarne avec. Ah, Damien, il y a l'homme en forme pour l'instant ce soir. Attention, ouais, on peut se faire vite là derrière. Et Matteo Brive qui a transpercé cette défense. Pour l'instant, on n'a pas eu... N'a pas fait l'arrêt sur le premier tir subi. Et le deuxième, voilà. Ça rentre. Décidément, les gardiens, pour l'instant, n'ont pas de chance. Ouais, c'est la malchance, là. Robbins avec Florian Delecroix qui marque face à son ancien coéquipier. Attention, il reste 6 secondes. À l'aile. Dans la lucarne, bon, là, magnifique, ouais, Junior Tuzolana. Tuzolana, c'est magique, magique. Et ça fait faire du bien. Sur l'aile gauche. Ça va faire du bien à Cesson, hein, ce but à la dernière seconde juste avant le buzzer, parce qu'effectivement, sinon, 5 buts d'écart, c'était quand même conséquent pour Saran. Alors, dans tous les cas, ça reste un bel avantage pour les Septors. Avec des Cessonais qui reviennent deux fois dans la partie quand même. Là, nous sommes de retour au Palais des Sports d'Orléans pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre l'équipe de Saran et Cesson Rennes. Et pour l'instant, ce sont les Saranais, hein, qui font la course en tête. À Cambrai, à nouveau. Superbe passe. Très belle passe dans le dos. En position de pivot là, qui essaie de se faire une place. Et Brief qui va buter sur Pagnan. Superbe parade de Pagnan. Opedissano à gauche, c'est encore Junior Tuzolana. Ouais, chirurgical ce soir. Collé. Oh, bien le collé qui passe. Ouais, ça va être un jeu de 7 mètres. Et Ludwig Apollinaire, 2 minutes contre le numéro 54 Cessonnet. Des irréductibles. Et à Cambrai, impeccable. Voilà. Et le shoot de Daniel Mosini. Oh, superbe. Double arrêt. Pagnan, le chat. Oh, attention, le ballon gratté. Par qui? Et ouais, Junior Tuzolana qui va encore faire son rush seul et victorieux face à Ivan Pagnan. William à Cambrai. C'est Molinier qui prend ce shoot, formidable. Oh, magnifique avec Basile Piètre. Romain Brief, Yoann Cardinal, Molinier. Ouais, ça passe encore. Ah, c'est un fail, comme on dit. Ah, c'est trompeur. Allez, Romuald Collet, une nouvelle chance pour lui cette fois-ci, c'est bon, on en est sûr. Hein. Marché. Ah, marché, oh là là, là terrible. Décidément, on n'a pas la jugeote. Ah, le public n'est pas d'accord. Et la contre-attaque. Et qui prend les devants. C'est la première fois que Cesson passe devant. Cesson 29, Saran 28. Il faut faire abstraction de tout ça côté Saran. Essayer d'y aller sans l'aide de qui que ce soit. Oh là là, qui finit dans la lucarne. Tom Robbins. Et 30 partout. Ouais, Tom Robinson qui trouve la faille là, le petit trou de souris. Romaric Guillaume, magnifique cette passe. Romuald Collet. Oh, attention là. Il a deux doigts de gratter ce ballon et finalement c'est Saran qui s'en sort. Ouais. Mosindi. Allez, Mosindi. C'est franchi, le ballon a franchi la ligne. Robbins. Ouais, Robbins qui demande à l'Égyptien de revenir dans l'autre sens. Robbins. C'est un jet de 7 mètres et 2 minutes. Oh là là, attention, décision qui va évidemment avoir des conséquences face à Alejandro Romero. Super. Vous le voyez. Attention, ça revient dans les mains de Junior Tuzolana. Evan Pagnan. On est peut-être sur l'arrêt du match. Oh, c'est peut-être, effectivement, le tournant de cette rencontre.
Et voilà, c'est Romuald Collet. Oh, oh, super barré. En tout cas, c'est un partout. Non, mais ça impacte le match. Romuald Collet. Oh, cette fois, elle est dedans. La lucarne. Une giga Apollinaire, la passe pour Axel Opedissano qui s'en sort. 1 minute 30. Pour faire la différence. La belle passe pour Axel Opedissano. Et ça passe. 34-33. Avec Tom Robbins, Florian Delacroix. Oh, il est important celui-là. Oh, le but. Bah oui, Delacroix là, qui vient nous mettre une costale là. Et la passe. Oh, non, c'est finalement pour le gardien. Pour le match nul, Yelmozine dit. Donc on va en rester sur ce 34 partout et franchement c'est logique. C'est quel match. Ouais, c'était un très très bon match. C'est pas franchement une mauvaise opération pour Saran. Hein. Non, du tout, qui maintenant prennent 3 points sur leur poursuivant.